Par les Nations Unies. Dans un rapport, l'État hébreu est accusé de crimes contre l'humanité. La raison, la réponse aux manifestations de Palestiniens à la frontière. La Commission des droits de l'homme a mandaté 3 enquêteurs pour se pencher sur cette question. N'ayant pas reçu l'autorisation de se rendre sur place, les enquêteurs ont mené des dizaines d'entretiens avec des victimes, des témoins. Ils ont aussi recueilli plus de 8000 documents et des enregistrements audiovisuels. Plus de 6000 manifestants non armés ont été touchés par des tireurs d'élite militaire, semaine après semaine lors des manifestations. D'après le rapport, les snipers israéliens auraient visé journalistes, personnel de santé, personnes handicapées et enfants. La commission demande aussi aux autorités gazaouis de cesser l'envoi de cerfs-volants et de ballons incendiaires. Sans surprise, Israël rejette ces accusations et pointe du doigt le Hamas. Le théâtre de l'absurde pratiqué au Conseil des droits de l'homme a produit un rapport hostile, mensonger et partiel contre Israël. Le seul propos consiste à salir la seule démocratie du Proche-Orient et à porter atteinte à son droit à se défendre contre les agissements terroristes d'un groupe meurtrier. Depuis près d'un an, les Palestiniens se rassemblent chaque vendredi à la frontière dans le cadre de la marche du retour. Des manifestations marquées par des violences. Au moins 250 Palestiniens ont été tués dans les confrontations avec l'armée israélienne depuis le 30 mars 2018. Côté israélien, 2 soldats ont perdu la vie.